Les semeurs de l'évangile conscients que le Seigneur siège dans la louange, tel que mentionné dans Psaume 22, verset 4, ont invité Jésus à être l'alpha et l'oméga de la 16e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. C'est une autre manière pour nous de dire, Seigneur, bienvenue en ce lieu. Nous voulons dresser pour toi un trône de reconnaissance. Un trône que tu viennes siéger au milieu de nous, ici à Thiékoua. Nous voulons supplier Dieu de venir recevoir notre louange. Parce que là où la présence de Dieu, là se produit. Ici, des prodiges et des miracles incalculables. Rien que sa présence. Rien que sa présence. C'est pourquoi nous voulons lui dire, tu es si merveilleux. Tu es si merveilleux, Yahweh. Tu es si merveilleux, Seigneur Jésus. À minuit, le 1er juillet 2024, ils ont solennellement ouvert la dite croisade par une chaîne de louanges au quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire, Sisa à Thiékoua. La session de prière qui débute d'ordinaire à 13h a été entamée le même jour également par les chantres de l'Éternel, dirigés par la sœur Carole Babatunde, toujours dans cette optique de faire descendre Dieu afin qu'il exauce toutes les prières qui seront élevées en ce lieu. Il est 13h04. 1003 personnes de l'armée des semeurs de l'évangile de Côte d'Ivoire prenaient les rênes de la rencontre par une divine louange. C'est une louange qui n'a pas laissé indifférent le peuple de Dieu. En quelques secondes, les adorateurs de tout âge étaient présents pour exprimer leur gratitude au Seigneur. Des chants de louange, de la proclamation de la foi, tout y était. Majestueusement vertus en blanc-vert, les semeurs véhiculaient un message particulier, des cœurs purs qui espèrent en Dieu, non seulement par des vêtements, mais également par le chant numéro 124 du cantique « Christ est vainqueur ». Alléluia. Chante avec nos bien-aimés. Ils deviendront au ciel. Le trésor éternel. Le trésor éternel. Simplement. Sans omettre l'hymne de cette croisade, ce sacré chant qui escortera toutes les merveilles que le Seigneur accomplira à chaque session de cette 16e édition de la CRPPF. Édition qui a débuté le 1er juillet et s'achèvera le 9 août 2024. Aujourd'hui.